Alors, last but not least, nous allons entendre le groupe de réflexion recherche en santé au Sud, animé par Christophe Longuet, qui est médecin spécialisé en médecine tropicale. Et son discutant, M. Jean-Godefroy Bidima, qui nous vient de Tulane University, où j'ai passé un agréable séjour de 6 mois l'année avant Katrina. Mais nous ne nous sommes pas rencontrés. Voilà, Christophe. Bonjour, merci Jennifer pour l'introduction. Je suis très heureux de représenter donc le groupe de réflexion recherche en santé au Sud et vous présenter, pas nos travaux, mais notre travail actuel. Alors, le vocable recherche en santé au Sud recouvre en fait les programmes de recherche menés en collaboration entre des équipes dites du Nord et des experts, des équipes des pays à ressources limitées, qu'ils soient en Afrique, en Asie, dans la Caraïbe, voire même chez les Inuits, au Grand Nord. Donc on voit que le terme Sud qui est consacré est un terme Global South en anglais, qui est consacré et très réducteur. Alors notre groupe de réflexion, nous sommes très heureux d'avoir une réflexion commune avec le comité consultatif de déontologie et d'éthique de l'IRD. Donc voilà les membres actuels de cette réflexion. Et nous sommes aussi très heureux et intéressés de l'avis et l'expertise de chercheurs et philosophes, éthiciens du Sud, des divers Suds, et notamment très honorés d'avoir la présence du professeur Jean-Godefroy Bidima cet après-midi, venu tout droit des États-Unis, mais voilà, il vient du Cameroun, comme je crois que ça a été dit par Jennifer. Alors, notre réflexion actuelle se porte sur le consentement. Alors, le consentement, on le sait, il doit être libre, c'est-à-dire en l'absence de toute contrainte, et il doit être éclairé, c'est-à-dire précédé par une information, afin de garantir le principe d'autonomie des personnes participant à la recherche. Mais on le voit sur ce schéma, il y a plein d'autres vocables, enfin termes, adjectifs que l'on peut associer au consentement. Consentement libre, consentement digne, consentement dynamique, ouvert. Et il y a aussi, on le voit, très important, le contexte à ce consentement, et notamment le contexte culturel. Alors nous proposons dans notre réflexion, dans une approche de la recherche entre pays au développement inégal, de passer d'un consentement, de passer d'un universalisme un petit peu scientifique, un peu paternaliste, à une approche qui combine des exigences à la fois bien sûr internationales, mais aussi locales, et notamment les exigences sociales, sociétales, culturelles, éthiques, locales, et donc de faire évoluer un petit peu ce consentement éclairé vers un consentement négocié plus participatif. Alors nous suivons en cela le chemin de M. Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, qui dans son approche de la capacité comme liberté positive prend très au sérieux la dimension participative du consentement et l'affirmation des choix individuels et sociaux, transformant ainsi le projet de consentement passif en un projet actif et négocié. Et une belle illustration de cet exemple de ce principe est donné par le peuple San, donc le plus ancien peuple d'Afrique australe, hein, arrivé il y a 45 000 ans environ, qui ont été appelés péjorativement les Bushman. On les connaît plus sous le nom de Bushman, les hommes des buissons, donc par les colons. Et le film notamment, les dieux sont tombés sur la tête. Ah oui, voilà, tout à fait. Donc, de multiples études ont été menées avec le peuple San, mais pas forcément avec le respect pour leur culture, peut-être parfois avec beaucoup de condescendance. Et en réaction, le peuple San s'est doté d'un institut, San sud-africain, et d'un comité d'éthique chargé de promouvoir la communauté San. Récemment, il y a quelques mois, ils ont publié un code d'éthique où ils demandent aux chercheurs effectuant des travaux sur leur communauté de leur soumettre les protocoles pour avis et de leur soumettre les publications
pour avis aussi, afin de limiter les communications jugées insultantes pour ce peuple-là, et aussi de considérer les bénéfices, en échange de la collaboration à la recherche, de considérer les bénéfices que cette recherche va apporter au peuple San. Alors bien sûr, il y a des défis au consentement éclairé, a fortiori au consentement négocié dans la recherche dans les Suds. Le premier défi que nous souhaitons vous exposer, c'est la mise en place des conditions pratiques du consentement, et notamment la tension qu'il peut y avoir entre l'individu et la communauté. Ainsi, dans de nombreuses sociétés traditionnelles, l'individu n'est pas couramment amené à donner son avis de façon totalement indépendante. Les femmes aussi, dans certaines communautés, sont structurellement dans une relation de dépendance vis-à-vis du conjoint, vis-à-vis de la famille et de la communauté. Alors une solution a été mise en place dans certains endroits, c'est littéralement ou symboliquement sous l'arbre à palabre, où l'on invite d'abord le chef coutumier et la communauté à se positionner sur le projet de recherche et de consentir collectivement au projet de recherche. Tout cela pour préparer, bien sûr, et ne pas se substituer au consentement individuel qui doit lui respecter l'autonomie de la personne et la confidentialité. Un autre équilibre, c'est l'équilibre entre la tradition orale et la tradition écrite. De par le monde, la parole donnée conserve une importance considérable, une grande valeur. À l'inverse, on note souvent une défiance vis-à-vis de l'écrit, qui renvoie un peu à la paperasserie d'État, qui suscite de la méfiance de la part des usagers. Dans le consentement à participer, notamment, effectivement, l'écrit qui est censé protéger le participant peut être perçu parfois comme une contrainte pour laquelle la rétractation sera difficile, alors qu'on sait très bien qu'il est écrit que cette rétractation est possible à tout moment. Mais voilà, donc il y a un vrai effort, un vrai temps oral de discussion, souvent plus important que l'étape de la signature qui doit précéder ce consentement écrit, et parfois il peut être accompagné avec les médiateurs communautaires. Alors le second défi que l'on a relevé, alors il est au nord comme au sud, il y a de nombreux conflits d'intérêts potentiels, et notamment si on regarde un petit peu, si on observe le chercheur, et ça a été dit, je crois, par Anne-Sophie, le chercheur, s'il est en charge, lui, de donner l'information et d'obtenir le consentement du patient, il est à la fois jugé parti, car son intérêt principal, c'est évidemment d'enrôler les sujets pour mener à bien son protocole. Alors, un exemple qui est illustré du centre de traitement Ebola, enfin la recherche sur Ebola a effectivement un petit peu mis en œuvre des solutions innovantes. Et donc là, c'était un centre de recherche sur le thérapeutique Ebola, donc en Sierra Leone, où j'étais il y a 2 ans. Et en fait, le consentement... Alors, vous voyez les conditions extrêmes, où il y a plusieurs personnes en tenue, en scaphandrier autour des patients. Donc, c'est vrai que c'est très, très tendu au niveau autonomie des personnes. Mais du coup, une solution un petit peu pour protéger un petit peu le consentement des personnes, c'était de séparer les équipes de recherche et de soins, et que les deux soient présentes au moment du consentement. Donc, bien sûr, l'équipe de recherche pour garantir l'éthique de la recherche, et l'équipe de soins pour garantir l'éthique médicale. On sait que les deux se chevauchent, mais ne sont pas totalement superposables. Troisième défi, c'est le partage des informations scientifiques, et on le sait, enfin, vous avez vu des lettres d'information de protocole, même pour nous, elles ne sont pas toujours très très faciles à comprendre, et je pense que ce sera de plus en plus compliqué. Et en fait, cette incompréhension, si elle n'est pas levée dans les projets de collaboration avec les Suds, va entraîner une défiance envers le chercheur du Nord, et on voit apparaître de temps en temps, on a vu surtout dans le passé, mais ce terme de cobaye qui réapparaît, est-ce qu'on n'est pas en train de nous utiliser. Alors nous recommandons
dans notre groupe d'associer les soignants habituels, là aussi c'est un débat, hein, d'associer les soignants habituels dans l'inclusion des patients. Alors, un point important, c'est que ces soignants doivent être formés. On l'a vu ce matin, il faut former à l'éthique chez nous. Il faut a fortiori former à l'éthique et aux méthodes de recherche les soignants dans les pays moins développés. Autre recommandation, c'est de tenir compte des savoirs locaux. Hein, on a parlé de cet éléphant. Qui peut se prétendre avoir la science exacte sur l'information exacte sur ce qu'est cet éléphant du savoir. Et donc il faut en tenir compte. Il faut aborder aussi les croyances au moment du consentement, mais probablement, idéalement, même en amont du consentement, c'est-à-dire au moment de l'élaboration du protocole avec les acteurs locaux. Alors là, je vous ai mis une lettre je vais passer très vite, une lettre de consentement. Alors en là-haut, hein, donc ça, c'était évidemment indispensable que la lettre soit en langue locale. C'était un projet de recherche au Laos sur le cancer du col, de l'utérus. Et on a découvert dans ce projet de recherche que... Alors au passage, on n'est pas très sûr de ce qui est traduit là. Hein, donc il y a probablement une déperdition scientifique probable. Est probablement souhaitable, parce que en fait, c'est un pont entre notre jargon scientifique international et ce que le patient va comprendre. Donc il faut un peu fermer les yeux sur on pense que tout l'essentiel est là, mais il y a un pont vers la culture locale. Par contre, ce qu'on n'avait pas anticipé à ce moment-là, c'est que les patientes avaient peur lorsqu'on diagnostiquait une lésion précancéreuse ou un cancer. Le traitement était fourni gratuitement dans l'étude, mais certaines n'ont pas souhaité parce que, dans leur croyance, si on touche un cancer du col de l'utérus, ça va s'aggraver et on va mourir rapidement. Donc il aurait fallu en tenir compte effectivement un peu plus. Le quatrième défi, c'est le partage des échantillons biologiques et des données personnelles. Alors, le sang est valorisé dans toutes les cultures et cette publicité pour le don du sang ne vient pas d'Afrique, hein, elle est de chez nous. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Dans certaines cultures, si on soustrait du sang, c'est un amoindrissement de la force vitale, voire même un vol de l'identité. Donc c'est vrai que lorsqu'il y aura des prélèvements biologiques dans certaines études, il faut discuter en amont des représentations de l'intégrité du corps et de la valeur des échantillons. Il faudra aborder leur utilisation, et notamment s'il y a des études secondaires, parce que tout n'est pas prévu et souvent fait signer pour des études qui vont avoir lieu plus tard, il faut vraiment bien l'expliciter. Un des défis aussi, c'est lorsque les échantillons sont envoyés à l'étranger, parce qu'ils sont mieux analysés, mieux conservés, les biobanques sont difficiles localement, il faut en parler, sinon la théorie du complot n'est pas très loin, c'est un point délicat. Pour les données personnelles, on en a parlé largement ce matin, tout se transforme en big data, donc il faut bien sûr pouvoir en parler, la réutilisation des données ultérieurement, mais en fait on s'aperçoit que finalement le souci... Si pour les échantillons, le souci, c'est l'envoi à l'étranger, par contre, pour les données, ce n'est pas l'étranger le souci, c'est localement l'absence de confidentialité vis-à-vis de l'entourage et de la communauté. L'avant-dernier défi, alors on ne voit pas les chiffres, hein, défi numéro 5, c'est faire comprendre et accepter les risques et les bénéfices de la recherche. Alors tous les projets, malheureusement, n'offrent pas de bénéfices directs pour les participants. Alors souvent, ces bénéfices sont surestimés. Il y a un grand espoir des personnes en rentrant dans une étude sur tout thérapeutique. C'est ça, c'est le traitement d'avenir, c'est le traitement qui va marcher pour moi. Donc ça peut être compliqué, il faut bien expliquer. Le gold standard, les études randomisées interventionnelles, aussi peuvent poser des problèmes de compréhension. Ah bon, je ne suis pas sûr d'avoir le bon traitement. Donc ça, c'est des points vraiment à aborder et à faire comprendre dans la réflexion. Les risques sont à bien, bien détailler. Alors, nous, on recommande quand même que les bénéfices soient partagés. Ça a été dit à d'autres moments. Il faut que les chercheurs anticipent dans leur projet de recherche
des bénéfices, si possible directs, ou pour les communautés. Ce n'est pas toujours possible, on l'a vu. Ce qu'il faut absolument éviter maintenant, ce sont ce qu'on appelait les recherches safari chez les anglo-saxons ou les recherches hélicoptères, où les prélèvements et les données sont aspirés et disparaissent quelque part dans les labos occidentaux. Dernier défi, c'est permettre un vrai choix dans le consentement. Alors bien sûr, il y a toujours le choix de participer ou pas à l'étude. En fait, on peut avoir d'autres choix possibles à l'intérieur même de l'étude. Donc, et dans le consentement à la carte, on peut accepter l'étude principale, donner ses échantillons, mais refuser les données ultérieures qui ne sont pas encore décrites de l'étude. Alors bien sûr, on souhaite qu'il y ait ce consentement ouvert et large comme un des items possibles, parce que c'est celui qui va permettre le plus d'avancées scientifiques, mais il faut bien l'expliciter aux patients. Voilà, en conclusion, revenir à l'étymologie du mot consentir, sentir avec l'autre, permet de revenir à l'essentiel de la démarche du consentement. C'est une démarche où le chercheur et le participant se rencontrent autour d'un projet commun, négocié, un petit peu voilà, cet éléphant, on le construit ensemble avec la queue et la trompe, même si c'est effectivement les participants et les chercheurs n'ont pas les mêmes perspectives. Alors le consentir est un processus itératif et à renouveler régulièrement. Hein. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. Enfin, nous sommes convaincus que l'approche capacitante, de Amartya Sen, qui tient compte des valeurs et des choix des participants à la recherche, est vraiment quelque chose qui va renforcer la qualité de la recherche. C'est un investissement important avec les défis qu'on a vus, qu'il faut relever. Ça a peut-être un peu de temps, de l'énergie pour les chercheurs, mais on pense qu'il y a un devoir éthique du chercheur de chercher à procurer au maximum du bénéfice pour la communauté, pour les communautés où les recherches sont menées. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je remercie François Hirschi de m'avoir invité à venir apprendre, parce que je ne suis pas de formation scientifique, donc j'entrerai dans cet exposé presque par effraction. Donc, je sais que je suis déjà excusé d'avance pour mon incompétence. Alors, la question du consentement que vous avez eu l'amabilité de traiter m'a beaucoup réjoui, parce que vous êtes passé du consentement dictatorial dicté par le haut à un consentement négocié, élaboré, qui tient compte non seulement des sujets, mais aussi des relations et des communautés. Et dans ce que j'appellerais la chaîne du consentement, parce que ce consentement n'est pas élaboré d'un seul côté, c'est élaboré au sein d'une délibération, et dans cette chaîne du consentement, j'entrerai dans la discussion par le truchement d'un linguiste qui s'appelle Jacobson. Et je prendrai cette chaîne du consentement comme une chaîne comme l'expression du langage. Et si nous nous en tenons à ce que Jacobson dit à propos des fonctions du langage, il va dégager 6 fonctions. La fonction expressive, qui est celle du locuteur qui parle du consentement, par exemple, qu'il appelle la fonction expressive. Il y a la fonction conative, qui concerne la réception du message, le destinataire, n'est-ce pas, du consentement. Il y aurait la fonction référentielle qui s'occupe du contexte du message. Où fait-on le consentement ? Là, et ensuite, il y aura la fonction métalinguistique qui s'occupe du code partagé ou non des interlocuteurs du message. Et on va s'occuper des codes qui sont véhiculés lors du consentement délibéré. Et ensuite, il y a ce que Jacobson appelle la fonction phatique, et qui s'occupe au cours des échanges de maintenir le contact. Vous avez parlé d'un consentement qui doit être itératif, qui doit toujours être là, qui doit toujours être renouvelé. Donc, cette fonction phatique du consentement. Et enfin, il y aura une fonction poétique du message, c'est-à-dire que dit le consentement. Donc, j'entrerai donc dans la chaîne du consentement en m'inspirant, n'est-ce pas, de ces 6 fonctions du langage chez Jacobson. Pour dire tout simplement que cette chaîne du consentement, bien sûr, elle est linguistique, elle est politique, il y va des milieux et des intérêts, elle est anthropologique, il y est question de savoir la relation
à l'autre dans un contexte de recherche et de fragilité. Il y a des intérêts économiques. La recherche engage beaucoup de moyens matériels et indique parfois les disparités des niveaux de revenus et de vie. Il y a aussi la version religieuse, parce qu'en Afrique, on ne peut pas parler justement de tout ce qui concerne les grandes décisions sans en référer à la religion. Alors, je centrerai mon intervention autour de trois types de questions. La première question concernera ce que j'appellerais les insurmontables de la communication au cours du consentement. Et pour cela, je parlerai du rôle du préjugé. Quand on s'en va dans l'aventure du consentement, il y a le préjugé. Deuxièmement, je parlerai de la notion de malentendu, parce que dans le consentement, l'information n'est pas véhiculée de manière univoque, elle n'est pas comprise de la même manière, il y a risque de malentendu. Et quand il y a le malentendu, qu'est-ce qu'on fait? Et troisièmement, il y aura ce que j'appelle la notion de traduction. Tout consentement est une traduction. Traduction des principes dans une situation, traduction d'une langue à l'autre, traduction, n'est-ce pas, des signaux en signes. Alors, ensuite, j'interrogerai aussi la question du consentement à travers ce que j'appelle, quand je parle de traduction, je parlerai un tout petit peu de la question des intraduisibles. Vous avez parlé du médiateur. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas traduire certains mots dans la chaîne du consentement? Ensuite, je parlerai un tout petit peu sur le plan éthique. Le consentement renvoie à la notion de contact, mais que vaut un contact s'il n'y a pas cette notion éthique du tact? Ensuite, sur le plan anthropologique, et je finirai par là, vous avez parlé de la notion de croyance. Donc, j'interrogerai justement la crise de la relation fiduciaire dans le consentement. Alors, commençons d'abord par la notion de ce que j'ai appelé les insurmontables de la communication au cours du consentement. D'abord, la notion de préjugé. On ne peut pas aller négocier sans avoir des prénotions, sans avoir des choses préconçues. Le consentement négocié tout en reconnaissant la question de l'imaginaire et la structure particulière de l'oralité, comme vous l'avez dit, dans l'acte de négociation, ne s'adresse pas aux préjugés comme l'élément fondateur du consentement. Avec de bonnes intentions, on disqualifie le préjugé dans le cycle de la communication du consentement négocié. Et surtout, quand il s'agit des peuples du tiers-monde, on voudrait, lors des médiations, au cours des consentements, éviter les préjugés. Le préjugé, déjà mal famé dans la recherche, est aussi mal aimé lors du parcours de la négociation. En général, l'héritage de la philosophie des Lumières et du cartésianisme aggravé par les luttes des religions en Europe a persuadé les gens que le préjugé était ce qu'il fallait rejeter à tout prix et qu'une connaissance dans l'optique cartésienne était celle qui était défaite de tout préjugé, c'est-à-dire le préjugé de la précipitation, le préjugé de la prévention. Donc, on nous a convaincus des années durant que pour avoir une connaissance valable, une communication valable, il fallait se dégager des préjugés. Alors, on peut aussi prendre les préjugés sous un autre angle. Et là, je m'inspire d'un philosophe allemand qui s'appelle Hans-Georg Gadamer, qui reprend le préjugé d'une manière qui rappelle l'histoire du droit. Gadamer dit que quand nous entrons dans une chaîne de communication, nous avons tout le temps des prénotions, des choses non examinées, des préjugés, ce qui est jugé avant l'expérience, qu'il traduit de deux manières par Erfahrung, qui veut dire l'expérience reçue, et par Erlebnis, qui veut dire l'expérience vécue. Donc, le préjugé est un jugement avant. Et Gadamer dit, nous ne pouvons pas entrer en communication avec les autres, et ni même dans une forme d'expérience, sans les prénotions. Les prénotions sont structurantes, n'est-ce pas, des étapes de notre communication. Mais Gadamer va dire une chose magnifique, il dira, le préjugé doit être justement une étape amenée à être dépassée par l'expérience. Donc, nous pouvons donc revoir dans la chaîne du consentement négocié le rôle du préjugé. C'est-à-dire, on ne va pas à la négociation en faisant comme si ceux qui vont écouter votre discours n'ont pas de préjugés sur vous.
Et vous, il ne faudrait peut-être pas être dans l'illusion que vous n'avez pas des préjugés sur eux. L'essentiel, comme dit Gadamer, c'est que le préjugé soit une étape préparatoire et qu'il soit infirmé par l'expérience. Alors, deuxième notion, la notion de malentendu. Le langage est très opaque, on dit une chose, on comprend une autre, on croit dire une chose, mais on voulait dire une autre chose. Dans le processus du consentement négocié, le document que vous nous présentez nous met au centre de la notion de dialogue. Il n'est pas question de venir imposer aux plus faibles les modèles des essais thérapeutiques sans les écouter ou parler avec eux. Vous avez donc insisté sur la notion de prise de parole. La prise de parole est donc une dimension fondamentale dans ce processus. Le consentement négocié est le moment de la prise de parole de tous les acteurs. On pourrait dire, en nous appuyant sur Gérard Rich, dans son livre « Une théorie du soin », que le consentement négocié a une dimension diacritique. C'est une critique, d'abord, d'une conception paternaliste de l'autonomie du patient, « je décide pour vous ». Deuxièmement, du modèle informatif, « je vous dis ce que je sais ». Et troisièmement, du modèle interprétatif, « je vous aide à définir vos préférences ». Le quatrième modèle, qui est le modèle délibératif et celui que vous avez développé, est celui qui, en plus de proposer les médiateurs, donne la parole, la fait circuler afin d'éclairer. L'important ici est la prise de parole. La prise de parole est ici un acte qui signe la responsabilisation et l'autonomie des sujets des pays du Sud. Mais au fond, que veut dire prendre la parole quand on est économiquement et technologiquement faible? Et Michel de Certeau nous avertissait en posant cette question que je fais mienne à propos de la prise de parole. Y a-t-il une équivalence entre prendre la parole et prendre les affaires en main? Fin de citation, Michel de Certeau. La négociation qui se fait entre les chercheurs et ceux qui doivent savoir pourquoi ils vont accepter des essais thérapeutiques avec des dangers et des bénéfices éventuels. Les médiateurs et les communautés villageoises rassemblées pour dialoguer avec les chercheurs sous le regard des chartes écrites par des auteurs et approuvées par des États qui sont si loin d'eux. Et enfin, les modalités de la discussion où les paroles, les récits sur les essais cliniques et le pari des bénéfices futurs ne peuvent faire l'économie des conflits, comme l'a bien remarqué le document soumis à notre lecture. Ici, le premier type de conflit qui va se poser, c'est ce que je pourrais appeler le différend. Et je m'inspire ici de Jean-François Lyotard qui nous assure que il y a le différend entre deux parties lorsque le règlement du conflit qui pourrait les opposer se fait dans l'idiome de l'une d'elles, alors que le tort dont l'autre souffre ne se signifie pas dans cet idiome. En cas de conflit durant le processus de consensus négocié, dans quel idiome se fera le règlement du conflit et qui en fixera les contraintes discursives et politiques. Le deuxième type de conflit, après le différend, c'est ce que le philosophe Rancière appelle la mésentente. Qu'est-ce qu'il entend par mésentente? Il y a mésentente, estime-t-il, quand le peuple ne peut prendre la parole qu'on lui donne, faute de partager l'idiome du dominant. Autrement dit, il manque un code commun de communication, il manque une langue commune. Le malentendu qui recoupe donc les diverses parties du différend et de la mésentente empruntera donc une voie médiane qui utilise souvent le déni. On croit qu'on est en train de discuter alors qu'on est en plein malentendu et le malentendu c'est souvent un type de déni. Et je cite ici l'excellent article de Christine et de Véronique Servet, et je cite, ces deux chercheuses insistent sur le fait qu'être d'accord ne signifie en aucun cas se comprendre. Plus précisément, le malentendu est une divergence d'interprétation entre personnes qui croyaient se comprendre. Et elle recite Catherine Coquillot en disant que, Catherine Coquillot, qui reprend cette définition du dictionnaire historique de la langue française Robert, dans la longue introduction qu'elle consacre au malentendu, précise que le conflit s'ignore ou ignore ses raisons. Le malentendu est un scénario des chances désirant et ratées, qui, à la faveur d'un langage ou d'un sentiment commun, protège à l'insu d'une divergence pour faire durer un accord trompeur ou un désaccord au pacte. D'où deux énoncés latents, mieux vaut bien s'entendre
que se comprendre. Fin de citation. La question qui peut se poser au processus du consentement négocié à ce niveau est de savoir ce qui est fait au niveau pratique entre les chercheurs et les candidats aux essais thérapeutiques pour éviter les différends, les mésententes et les malentendus. Ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on affiche l'accord qu'on se comprend. Troisième moment de la question de la communication, c'est la traduction, la notion de traduction. D'abord, sur le traducteur, parce que quand on fait ces réunions du village, souvent, on a besoin des traducteurs. Quand on organise les débats sur le consentement négocié avec des groupes de personnes, on se sert des médiateurs pour traduire ce que les uns disent en béti, douala, fulbe, malinke et lingala, et les autres en français ou en anglais. Il est donc utile de rappeler la fonction des traductions dans le consentement négocié, qui est non pas de passer d'un sens à l'autre de manière rectiligne, ni même d'une langue à l'autre comme on traverse une douane en ne déclarant son honnêteté qu'à la syntaxe et au vocabulaire, mais de créer une mise en crise de la circulation des énoncés, une mise en scène du sens et une mise à crédit de la performance corporelle. La traduction est une création politique, non seulement parce qu'elle redonne aux mots leur caractère vacillant, mais aussi parce qu'elle entretient une zone de turbulence entre les langues et les attitudes. L'écrivain Paul Ampateba montre comment, pendant la période coloniale, des interprètes et traducteurs fabriquaient une politique du mot en se jouant et de l'administrateur colonial et des populations africaines. En effet, le traducteur-interprète fabriquait un discours qui n'était pas celui qu'émettait le destinataire qui, lui, avait l'illusion que ce qu'il émettait était transmis. L'interprète se jouait aussi des populations africaines destinataires du discours de l'administration coloniale. Le traducteur construit donc non pas un chemin binaire allant du destinataire au destinataire, mais entretient une troisième zone instable, variable, opportuniste, qui met en crise et en jeu la circulation des énoncés au cours de la négociation. Comment le consentement négocié qui redonne la parole aux communautés en privilégiant l'oralité, peut-elle repenser la question de la traduction qui n'est pas extérieure à la recherche, mais qui pourra intervenir chaque fois qu'il s'agira de poser des questions, d'expliquer, de recommander et de prescrire. La question est la suivante. Qu'en est-il de la traduction en situation de fragilité? N'oublions pas de poser l'autre question. Que veut dire négocier en période de fragilité? Umberto Eco, le philosophe et sémioticien italien, disait que la traduction est l'art de négocier par excellence. La traduction est ainsi une négociation de signification. Comment s'opère-t-elle dans un contexte postcolonial chargé à la fois par l'histoire, l'État et le phénomène de la globalisation économique et culturelle? Deuxième moment de cette question de la circulation des énoncés, c'est les intraduisibles et le brouillage du sens. Dans les traductions, les intraduisibles jouent le rôle des perturbateurs. La démesure de la traduction est de se vouloir fidèle, mais dans le vocabulaire et la syntaxe de l'infidélité. Les intraduisibles montrent que les langues sont dans une situation ténue, car elles tiennent les deux bouts de la corde. D'un côté, on veut savoir de quoi il s'agit dans la langue, source et maîtrise, mais aussi les interprétants et les récepteurs savent bien qu'il y a un reste qui résiste à toute traduction. Et qui est ce moment de résistance qu'a toute langue vis-à-vis des institutions? Il faut signaler les recherches menées par Barbara Cassin sur les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne. Cette recherche fut menée pour sauver le patrimoine mondial de l'humanité. Mais ce qui nous intéresse dans le processus du consentement, c'est comment créer ce que Barbara Cassin, à la suite d'Emily Apt, appelle les zones de traduction. Peut-on créer des zones de traduction qui ne soient pas de banal passage d'une langue à l'autre, mais des actes de réflexion pour les chercheurs et les candidats aux essais thérapeutiques? Après la question du langage, un tout petit peu la question de l'éthique, et assez rapidement, je vais parler du tact. La question des consentements négociés convoquerait plusieurs considérations qui touchent à l'éthique, à la production des normes, etc.
Mais dans le circuit du consentement négocié, il y a une tentative de mise en commun de la parole à travers l'explication, la question, la reprise. Il s'établit une chaîne de contact entre les chercheurs, les candidats aux essais thérapeutiques et les populations et les lois. Les problèmes liés au contact ont ainsi pris le pas sur la question éthique du tact. On a pensé parfois à la distance comme étant la condition du respect de l'autre. On a aussi pensé que la proximité était aussi l'élément indispensable dans le respect de l'autonomie de l'autre. Mais ce qui a été souvent oublié, c'est la manière, le tact. Il y a souvent une agitation des populations, il y a souvent une agitation autour des populations vulnérabilisées qui oublient le tact. Le tact lui-même se conjugue avec cette notion de kairos, qui traduit à la fois, comme on le sait, le temps propice, l'espace propice et la manière propice. La question qu'on pourrait poser aux acteurs impliqués dans le consentement négocié serait celle de la place du tact dans l'exposition de leurs objectifs thérapeutiques et de la participation à la parole commune. Et enfin, la question fiduciaire qui est une question anthropologique. Bien sûr, une mention sur la peur de se faire prendre comme des cobayes. Effectivement, en Afrique, il y a eu toute une vaste publication des romans après la Première Guerre mondiale. Parce que pendant la Première Guerre mondiale, le sous-secrétaire d'État aux colonies était un Sénégalais qui s'appelait Blaise Diagne. Et c'est lui qui a organisé le recrutement de ce qu'on a appelé abusivement les tirailleurs sénégalais. Et la plupart de ces tirailleurs sénégalais, quand ils sont revenus de la guerre, étaient pris de folie, ils avaient des accès de folie, et ils ont raconté pas mal de choses. Donc, je vous épargne ici le récit, vous pourrez trouver tout ça dans le livre de Christian Bonnac. On a fait des essais thérapeutiques du BCG sur eux, les tirailleurs sénégalais qui étaient à Fréjus et à Toulon, et on a aussi fait ça sur les anamites. Et toutes ces expérimentations non autorisées sur les anciens combattants ont alimenté l'imaginaire romanesque, n'est-ce pas, de plusieurs écrivains africains. Et c'est la raison pour laquelle il y a une extrême méfiance, n'est-ce pas, de se faire prendre pour des cobayes. Alors, je vais juste poser la question. Ces récits ont donc alimenté des peurs, de telle sorte que le fait de parler des essais thérapeutiques et surtout qu'on demande aux personnes de signer, vous avez dit ça tout à l'heure, de signer, même si c'est après négociation, ne peut que susciter des suspicions. Mais l'histoire malheureuse des essais non autorisés a porté atteinte à la relation fiduciaire entre les populations africaines et les structures médicales. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans le consentement négocié qui prend en compte la dimension communautaire de l'individu africain, et qui, de par ce fait même, active la participation au processus de décision par le privilège accordé aux capacités, nous signalons que ce consentement pourrait tenir compte de la manière dont les Africains organisent la thérapie. Dans le consentement négocié, qui est l'organisateur de cette future thérapie? Il y a aussi, à la base de cela, les types de maladies qui sont définis, pas par celui qui est malade seul, ni par celui qui soigne, mais par ce que John Yangen appelle la chaîne organisationnelle de la thérapie. Comme le suggère donc John Janssen, la relation malade-médecin revêt une signification complexe qui a travaillé au Bazaïr. La relation malade-médecin revêt une signification complexe lorsque le groupe organisateur de la thérapie occupe une place prédominante dans la médiation de cette relation. Les praticiens occidentaux formés à des contacts directs avec des malades doivent apprendre à tenir compte des membres de la famille qui, ensemble, construisent l'image du procès thérapeutique. Donc, ce n'est pas seulement les membres de la famille, il y a aussi les groupes, les guérisseurs, il y a aussi les mouvements évangéliques qui font partie de ce que j'appelle la chaîne organisationnelle de la thérapie. Dans le cas du Bazaïr, où il existe deux catégories de maladies, ce qu'on appelle les Kimbenvo Dianzambi, les maladies qui viennent de Dieu, et les Kimbenvo Diamuntu, les maladies qui viennent des hommes. Remarquons qu'on exclut dans cette classification les maladies provenant des agents pathogènes comme les virus. Comment organiser cette négociation du consentement lorsque les communautés sont si sûres de leur classification des types de maladies?
Seule une action au sein du groupe organisationnel de la thérapie, et qui peut comprendre les religieux, chrétiens ou musulmans, les tradis praticiens, qui, certes, tiennent compte des causes physiques et individuelles de la maladie, mais aussi des devins, seule, justement, cette chaîne organisationnelle peut aider à la réussite du consentement négocié. Et je conclue. À la fin, j'ai trouvé que le document que vous nous avez présenté, le consentement négocié, inaugure ce que Merleau-Ponty appelle l'universel latéral, un universalisme latéral, qui est opposé à ce qu'il appelle un universalisme de surplomb. L'universalisme de surplomb, c'est l'universalisme arrogant, qui a le sens, qui est écrasant, mais l'universalisme latéral, c'est l'universalisme qui tient compte des marges, tient compte des restes, tient compte de ce qui résiste et respecte la distribution de la parole. Je vous remercie.